très drôle. T'es mort de rire, hein? Ils arrivent bientôt? Incessamment, ouais. La maison a l'air en état. Ouais. Dis donc, je sors danser avec une fille vendredi soir. Il faut que je mette quelques nouveaux pas au point avant d'y aller. Hé, hey, qu'est-ce que t'en dis? Tu vas avoir toutes les danseuses de bourrée de la région à genoux devant toi. Tiens, jette ça dans le sac de linge sale, tu veux? Terry, tu es là? Ouais, dans ma chambre. Je croyais que tu passais les prendre. Ils avaient laissé leur voiture à l'aéroport, ils vont sûrement pas tarder. Oh. Jamais je n'arriverai à faire comme si de rien n'était devant elle. Tu as promis, Gretchen. Oui, je sais, je ferai ce que je peux, mais elle me connaît bien. Elle verra tout de suite qu'il se passe quelque chose. Dis-lui que tu as un examen partiel dans la semaine. Ce sont eux. Salut. Oh. Ça va? Bonjour, ma chérie. Les vacances se sont bien passées? Un rêve. Où en est notre futur médecin? Plongé jusqu'au cou dans mes révisions. Je suis passé par là, moi aussi. Ça ne va pas, Gretchen. Tu es toute glacée. Oh, la fatigue, sans doute. J'ai un partiel cette semaine. Tu le réussiras. Tu les réussis toujours. Oh, j'ai déjà eu des vols longs et pénibles, mais celui-là battait tous les records. C'est vrai, vous avez l'air épuisé. Oh, maman! Bonjour! Oh, alors, comment c'était? J'espère qu'on a adoré. Salut! Ah, tu nous as manqué. Bonjour. Salut, Gretchen. Oh, ta-da! Oh, voilà mon bébé. Bonjour, maman. Déjà de retour? Tout a l'air propre et bien en ordre. Une vraie petite fée du logis, hein? Oh, oui. Salut. Alors? Eh ben quoi? Tu as fini par y aller? Ou chez le coiffeur? Non, faire ton premier vol en solitaire. Ah, on s'attendait presque à te voir là-haut. Non, il a pas fait beau ces jours-ci, mais j'y vais demain soir. Et quand vas-tu chez le coiffeur? Ah, je n'ai pas dit que j'y... Irène, laisse-le prendre mais rendez-vous. Mais ils sont très bien, mes cheveux. C'est pas encore la fin de l'année, mais il y a déjà... Oh, regardez qui est là. Coucou, Ida. Mais tu as déjà grandi. Viens voir mamie. Bonjour, Erika, oui, ça va? Très bien. Alors, c'est vacances? Mais c'est ma petite princesse. Donne-la-moi, laisse-moi la tenir. Bonjour, chérie, ça va? Ça va, ma en pleine forme. J'ai apporté un panier plein de bonnes choses. Est-ce que ton grand-père t'a manqué? Oh, t'inquiète pas, Gretchen verra tout à l'heure. Attends, je m'occupe. Il y a des bonnes soins, Terry. Ça m'aurait été. Non, t'en auras pas. Je viens. Tu veux parier, Terry? Gagne, les enfants. C'est Erika qui nous a fait? Ce que j'adore dans les voyages, c'est le retour à la maison. Regarde ça, j'ai cru qu'il arriverait en miettes. Elle l'a tenu sur ses genoux pendant tout le trajet. Il est magnifique. C'est pour mettre mes roses. Tu n'as pas oublié de les arroser? Je suis sûre que si. Tiens, Matt, on t'a rapporté ton appareil photo. Et on a acheté ça. Gretchen, que se passe-t-il? Oh, rien. C'est bien celui que tu voulais. Ah oui, il est parfait. Je crois que j'ai réussi les photos. Ah. Bien, Heather, chérie. Tu as changé le réglage ISO? Non, 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 je l'ai laissé comme il était. Je l'avais réglé sur 100, pas sur 400. Je peux te parler dans la cuisine? Ah, je l'ai pas touché. Tu veux? Tu n'as peut-être rien sur la pellicule. Pourquoi? Parce que le réglage ISO a été changé. Je vais aller voir si on peut les développer. Je les déposerai chez le photographe. D'accord, merci. Oh! Normalement, j'aurais dû rester bouche cousue. Mais? Tu dois me promettre de ne rien dire à personne. Oui, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit à personne. Promis. Tu te rappelles mon tuyau pour avoir des diamants pas trop chers? Oui. Tu m'avais dit que je te prévienne si Luc m'en demandait un. Oh, chut, oh. Ils veulent garder le secret jusqu'à ce qu'ils aient la bague. Oh, je suis tellement contente. Tu leur as trouvé un solitaire. Oui, je crois que j'ai ce qu'il leur faut. Il est un petit peu cher, alors je sais pas si Luc pourra se... Quoi qu'il en coûte, je compléterai son prix, mais je ne veux surtout pas qu'il l'a pris. Je ne dirai rien. Oh. Et donne-le leur vite, qu'ils fassent enfin l'annonce officielle de leur fiançailles. Je tremble déjà, regarde, il y a tellement de choses à faire. Le traiteur, la liste des invités, commander les fleurs... T'en auras au téléphone. Bon, il faut que j'y aille, j'ai un cours très tôt dans la matinée. Faut que j'y aille, moi aussi, je dois être à l'hôpital. Avant 3 heures, je me dépêche. Bye. À bientôt. Je t'aime, ma petite fille. Je t'aime aussi. Mais qu'est-ce qui se passe? T'as l'air toute drôle. Oh non, non, tout va bien. T'es pas encore couchée? Alors, ça va? Ouais. Ça marche à l'école, ces temps-ci? Tu construis un nouveau télescope? Non, c'est un laser. Je te l'ai dit, tu te rappelles pas? Si, c'est pour l'école. Non, juste pour moi. Bon, dors bien. Ouais, toi aussi. Dis, en sortant, tu fermes la porte? Oui. Est-ce que tu as vu ma liste d'invités? On n'a pas défait les valises et tu prévois déjà une réception. Ça y est, je l'ai.
Quand tu as cet air-là, on peut s'attendre à... Quel air? L'air de quelqu'un qui me cache quelque chose. Allons, bon, j'ai seulement l'air fatigué, c'est tout. Les Anderson ont bien déménagé. Oui, ils habitent Edgecombe. Terry devient presque bavard. J'ai réussi à lui soutirer au moins 4 mots ce soir. Tu devrais passer davantage de temps avec lui. Moi, je le ferais sans doute si on pouvait discuter normalement avec lui. Allons, tu ne crois pas que tu mets la charrue avant les bœufs, Ross? On ne peut se parler que si on se consacre du temps, comme nous, pendant nos vacances. Si tu m'en consacrais... un peu tout de suite, hein? Alors, Terry, le téléphone. Allô? Passez-la-moi. Oui, c'est lui. Et elles durent combien de temps? Elles sont espacées de... Oui, je crois qu'il faut y aller. Je vous rejoins à l'hôpital. C'est ouvert. Terry? Salut, maman. Papa est sorti? Oui, il est de garde ce week-end. Et ce laser, ça avance? J'ai presque fini les soudures. Tu as trouvé le prisme que tu voulais? Oui. Oui, tiens, regarde. On voit toutes les couleurs du spectre lumineux sur les côtés. Oh, c'est beau, on dirait un arc-en-ciel. Tu crois que je pourrais emprunter la voiture de Pa pour la soirée du lycée? Tu n'as qu'à lui demander, il n'est pas aussi inaccessible que tu le penses. Ouais, tu parles. Ouais, dis donc, je me suis fait couler. J'ai cru que ce cours n'en finirait jamais. Faut qu'on se brouille. Je vais pas à l'aérodrome ce soir. T'es fou, tu vas rater ton cours. Mais le prof me retirera 5 points si j'ai pas rendu ma dissertation à l'heure demain matin. Je fais mon premier solo ce soir. Bah, passe au-dessus de chez moi. Je te dirai bonjour par la fenêtre. Tu n'aimes plus tes chemises, Terry? Elles sont pas assez longues. On coupe toujours un de tes pans de chemise le jour de ton premier solo et on l'accroche au mur du fond du bureau. Terry! Maman! Alors, tu voles tout seul aujourd'hui, c'est sûr. La météo est parfaite, regarde. Ciel clair, aucun vent. J'ai pris rendez-vous pour toi chez le coiffeur demain, juste après l'entraînement de natation. Ok. Ce soir, tu as aussi ton cours théorique d'aviation. Rentre vite après la pratique. Compris. Je t'aurai préparé à manger. Ensuite, il faudra que tu ailles finir ta dissertation pour demain à la bibliothèque municipale. Est-ce que tu peux me la taper? Si tu termines assez tôt, oui. Merci. Une petite minute. Quoi? Une petite minute. Quoi? Je sais que tu as hâte de voler tout seul, mais prends bien ton temps. T'inquiète. Tu as ta vie entière devant toi pour voler en solitaire, alors essaie d'être sage et reviens en un D'accord. seul morceau. Promis? Oui, maman, c'est promis. Bonne chance! Un torticolis, maman? Non, pas encore. Je cherche Terry. Il vole en solo aujourd'hui. Je préférerais qu'il soit passionné de course à pied certains jours. Tu me fais une visite surprise? J'ai un client qui habite par là. Je suis passé voir si tu avais récupéré les photos. Est-ce que tu restes pour dîner? Non, faut que je rentre. Oh. Tu veux un petit coup de main? Non, merci, ça va. J'ai prévu un gigot d'agneau. Ouf. De la tarte aux cerises. Oh, non, non, pitié, pitié. J'ai une glace à la vanille au réfrigérateur. Non, je reste, je reste. Alors, comment vas-tu en ce moment? Toujours divorcé. Toujours à essayer de faire démarrer mes affaires. Tu es jeune, tu es beau, tu es intelligent. La seule chose qui te manque, c'est un peu de chance. Je me sens comme ces bûcherons qui dansent sur les troncs d'arbres dans les torrents d'Alaska. Tu vois ce que je veux dire? Ils marchent sur ces rondins qui flottent sur l'eau. Ça bouge, ça dérape, ça s'enfonce sans cesse sous eux.
Rien n'est jamais stable ni solide. Tu auras toujours ta famille, tu sais. C'est une chose qui ne changera jamais, ça, au moins. Ouais. La seule chose. Y a-t-il une jolie fille dans la maison? J'en vois une dans la cuisine. Oh. Bonsoir, chérie. Ça va, mon grand? Ça va, papa? Tu as passé une bonne journée? Oh, pas trop mauvaise. Et toi? Je suis allée voir Grace. On a parlé du déjeuner de dimanche après l'office. J'ai commandé les trophées pour le prochain tournoi de tennis. J'ai payé les factures. Oh! Et j'ai acheté une merveille de rideau pour le salon. Qu'en penses-tu, toi? C'est un peu petit, non? Tu restes dîner? Ouais, je suis passée dans l'espoir de voir les photos. Il reste. Où en sont les affaires? Tu as des acheteurs? Je crois que je vais signer mon premier contrat la semaine prochaine. Une maison de 5 pièces à Trenton. Matt, si tu appelais John, il te dirait si nos photos sont prêtes. Ok. Il est toujours aussi traumatisé. Encore? On ne guérit pas d'un divorce aussi vite que ça. D'accord, merci. Vous devriez discuter. Et que veux-tu que je lui dise? Elles sont prêtes. Bravo! Félicitations. Ça allait, tu as atterri comme un chef. C'est vrai? Et dépêche-toi. Tu as ton cours théorique à 7h pile. Ok, j'y vais. À lundi. Allô? Est-ce que Terry Colburn est là? Ouais. Attends, Terry, un coup de fil pour toi. Pour moi? Ouais. Allô? C'est Matt. Tu peux passer prendre les photos de papa? Vas-y, toi. Pourquoi moi? Je vais aider maman à faire le dîner. C'est bien beau, mais j'ai un cours ce soir et mes devoirs à finir pour demain. S'il te plaît, Terry, c'est sur ton chemin. Et t'as vu le quartier? Je pourrais même pas me garer. Passe chez Derek, garde-toi sur son parking. D'accord, mais si je trouve pas de place, je m'arrêterai pas. Salut Kurt. Derek est là? Il est à une convention. Il m'a laissé la boutique. Tiens. Wouh, 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 Wendy! Terry! Tu squattes encore notre parking? Rouille-toi, on ferme dans 5 minutes. Y a quelqu'un? Ah, merci pour la place de parking. Ne bouge pas. Il a une arme. Si tu ouvres cette porte, je te flanque une balle dans le crâne. Avance. Oh. 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 S'il n'arrive pas, il n'aura pas de dîner. Tu parles de raconter à toute la ville ses exploits aériens. Il avait l'air content. Ils ont plutôt énervé. Tu veux prendre une assiette? À mon avis, il a fait une pause à la boutique de Derek. Derek part tous les soirs à 6 heures. Il est peut-être passé chez Franck. Pas sans appeler avant. Sans doute n'y a-t-il pas pensé. D'habitude, il appelle toujours. Irène, il ne lui est rien arrivé. Qu'est-ce que tu en sais? Voyons, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Enfin, il a une heure de retard. Et alors? Terry a 16 ans, Irène. S'il ne termine pas sa dissertation, s'il arrive trop tard pour dîner, c'est son problème, pas le tien. Qu'est-ce que c'est que ça? Vanille, chocolat? J'en prendrai bien un peu. Elle passe son temps à se faire du souci pour tout le monde. Ah, c'est assommant, je te jure. Qui m'était pareil? Oui, en ce qui me concerne, je trouve ça ridicule. Je ne vois pas l'intérêt. En faire tout un plat pour un léger retard. Il n'est pas chez Franck. J'ai aussi essayé chez Derek. Personne ne répond. Je suis sûre qu'il lui est arrivé quelque chose. Il faut aller le chercher. Tu veux que je sorte tout de suite chercher Terry simplement parce qu'il a une heure de retard? Maman, tu ne crois pas qu'il a pu aller à la bibliothèque? Non, combien de fois dois-je vous le dire? Je le connais, mon garçon. Il aurait appelé. Je ne peux pas. Je suis de garde. Et même si je pouvais sortir, je n'irais pas. Je trouve ça ridicule.
Quand cesseras-tu de lui rogner les ailes? Enfin, je ne lui rogne pas les ailes le moins du monde, je m'inquiète. Mais ce n'est pas bon pour lui d'être chouchouté comme ça. Mac n'ira pas le chercher non plus, d'ailleurs. Personne n'ira. Tu sais pourquoi on était si bien à Hong Kong? Ce n'est pas parce qu'on avait plus de temps, c'est parce que tu n'étais pas sans cesse à t'inquiéter pour les gosses. C'est que je leur accorde de l'attention, moi. Y a quelqu'un? Kurt? Ne bouge pas, ou alors je te bute. Attendez, je suis juste venu chercher mon fils. Avance! Attendez, mais où est mon fils? Mais qu'est-ce que vous faites? La ferme! Papa, c'est toi? Kurt! Kurt, tu n'as rien? Non, ça va. Bon, écoutez les gars, prenez ce que vous voulez. Je t'ai dit, la ferme! On ne pourra pas vous identifier, ne craignez rien. Mais t'es fou ou quoi? Pourquoi t'as fait ça? Franck, as-tu vu Terry ce soir? Non, madame. Est-ce que tu sais où il est? Ben non, désolé. Merci. Fini de les attacher. Terry! Qu'est-ce que vous foutez là? Où est passé Terry? Allez, par ici! Où est mon fils? Dépêchons, allez! Ah, allez, plus vite! Je veux savoir où il est! Vous allez me lâcher! Ta gueule, la vieille! Oh. Maman? Oh. Avance! Oh. Maman! Par terre! Oh. Dépêche! Mais arrêtez, lâchez-moi! Merde, pas elle! Lâchez-moi, je vous en prie! Reste tranquille et ferme-la! Le voilà! Terry, ça va? Oui. Ils t'ont pas fait de mal? Oh, mais pourquoi t'es venu? Oh, Terry. C'est quoi, là? C'est un mélange de vodka d'une sorte de somnifère. Ça vous fera dormir une heure ou deux. J'en veux pas. T'en auras quand même. Allez, bois.
Bois. On ne vous laissera pas vous en tirer. Toi, la ferme. Bois. Partez, mon mari. Je te dis, la ferme. Il nous cherche. Il va arriver d'une minute à l'autre. Maman. Non! Il n'y a pas que pour Terry que ta mère s'inquiète. Elle se tourmente pour toi aussi. Je reconnais que ce n'est pas mon année. Si l'immobilier ne te réussit pas, et c'est autre chose. Oh, ce n'est pas tellement ça. C'est plutôt le fait de retrouver une maison vide chaque soir. C'est sinistre. Tout est sombre, tout a l'air mort. Ça ne sert à rien de te lamenter sur ton sort, Matt. Il y a toujours des gens moins bien lotis que soi dans le monde. Ouais. Dans ce cas, je suppose que je dois m'estimer plutôt heureux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils nous ont oubliés? Ils sont sans doute à la bibliothèque. Ta mère doit aider ton frère à finir ses devoirs pour demain. Allô? David, salut, ça va? Oui, c'est la boutique de mon neveu, effectivement. Maintenant? D'accord. D'accord, merci d'avoir appelé. La scène de cet affreux carnage de l'avenue Russell. D'après la police, c'est un vol à main armée qui a eu lieu dans ce magasin de matériel IFI. Les victimes seraient au nombre de 5. Aucun suspect n'a encore été mis. Combien? 2. Qui est-ce? Laissez passer l'idée. La femme par ici. Oui. Gail, restez avec moi. Vous plaît, dégagez. Le gosse par là. Le gosse par là. C'est bon. Le docteur Rice s'occupe de lui. Doucement. Oui, allons-y. Allez. Vite, vite. Qu'est-ce que c'est que ces brûlures autour de la bouche? Aucune idée. Dépêchez-vous. Faites-leur 2 radios du crâne chacun. La femme d'abord. Vous avez combien, la tension? Rien, j'ai absolument rien. Faites une intraveineuse. Bien. Le laryngoscope. Tout de suite. Allez, allez. Tu as besoin d'aide? Qu'on prépare la sonde. Tiens, voilà. Ça y est, je l'ai. Il a la gorge tellement enflée que je n'arrive même pas à voir ses cordes vocales. La sonde. Ça va. Tenez. C'est bon. Commencez à pomper. Ses veines se sont collapsées. Dépêchons. Wenzel va arriver. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Docteur, je n'aspire rien du tout. Le liquide paraît descendre dans les poumons. On vaporise de l'alcool. Doucement. Doucement. Ouais, voilà. Une balle dans la tête. Va voir la femme, Wenzel. Ça empire. Versez ça directement dans le fond de la gorge et aspirez. Excusez-moi. Où allez-vous? Ma femme et mon fils sont là. Qui êtes-vous? Ross Colburn. Mon fils et ma femme sont là-dedans. Ils ne sont pas là. Il n'y a que 2 corps ici. Une jeune fille et un homme. Ma femme a garé sa voiture ici. C'est le magasin de mon neveu. Je sais qu'ils sont là. Bon, emmenez-le. Il pourra peut-être nous dire qui est la fille. Ne le laissez toucher à rien. Vous la reconnaissez? Non. Je croyais qu'il y avait 5 victimes. Oui. Ces 2-là étaient morts à notre arrivée. Un 3e vient de partir en ambulance et les 2 premiers sont déjà à l'hôpital Saint-Martin. Une femme et un jeune homme. Femme est sous respirateur. Le garçon tente de respirer seul, Frenzel. Oui. La balle a traversé tout le cerveau de la femme. Aucun espoir. Le petit a un hématome énorme. Ses pupilles sont fixes. Il est cyanosé de partout. Et même si j'opérais pour ôter la balle, il mourrait dans le... Ça, on n'en est pas du tout certain. Tu l'as bien regardé. Je ne vois pas un patient avec ses symptômes recouvrer l'usage de son cerveau en partie. Ce garçon a l'âge de mes gosses. Et je ne laisserai pas mourir sans bouger. Bon, tu fais ce que tu veux.
Mais à mon avis, c'est une perte de temps. Et puis de toute façon, je ne peux pas opérer si tu n'as pas résolu le problème des poumons, Alice. Mais c'est Terry Colburn. Le fils de Ross Colburn? Oui, je le connais bien, je sortais avec sa sœur au lycée. Où est ma famille? Votre fils a été emmené en soins intensifs. Oh! Que se passe-t-il, nom de Dieu? Ross. Hein? Où est ma femme? Ross. Elle devrait être avec lui. Où est-elle? On a essayé de t'appeler, mais il n'y a personne chez toi. Je sais qu'il n'y a personne. Je suis ici, elle était avec le gamin. Mais où est-elle, nom de Dieu? Ce que je sais, c'est que ton fils a reçu une balle dans la tête. Dans la tête? Et qu'il a avalé une sorte d'acide caustique. L'acide? Alors nous avons établi un conduit d'air, mais il a un grave œdème pulmonaire, malheureusement. J'ai appelé Bill Sands, il sera là d'une minute à l'autre et il examinera les poumons de Terry. Frenzel est là, il l'a examiné en détail. Est-ce qu'il vivra? Frenzel croyait qu'il mourrait dans l'heure, mais ça fait déjà deux qu'il est arrivé. Mais où est-elle? Où est sa mère? Terry a besoin d'elle à ses côtés. Où est-elle passée? J'ai aucune idée, Ross. Terry, c'est papa. Tu m'entends? Terry. Ross, tu peux venir une minute? Il y avait une femme avec ton fils. Où est-elle? La femme n'a pas été identifiée, Ross. Mais où est-elle? Est-ce qu'Irène portait une veste de couleur turquoise ce soir? Oui. Et a-t-elle une bague de jade à la main? Où est-elle, nom de chien? Ils l'ont descendue à la morgue il y a 20 minutes déjà. Elle est morte, Ross. Je ne l'avais pas reconnu. Je suis désolé. La femme qu'on vient d'emmener en bas est celle du docteur Colburn. Dites à ses enfants de venir vite, sans leur dire pourquoi. Je suis navré. Bien. Je ne peux plus rien faire pour Irène. Ce qui compte avant tout maintenant, c'est mon fils. Je nettoie les claviers, c'est pratiquement fini. Injecté 40 mg de l'Azix et 8 mg de décadrant. Excusez-moi, docteur. Gretchen Colburn est là, dans le hall. Il n'y a plus grand-chose à sauver. Est-ce que mon père est là? Oui, il est juste à côté, le voilà. Qu'est-ce qui se passe? Des voleurs ont attaqué la boutique de Derek. Ces voyous ont tiré sur ta mère et Terry. Ta mère est morte. Et Terry est très, très mal en point. Les docteurs pensent qu'il ne va pas s'en tirer. Tu es sûr? Maman est morte? Gretchen, viens, on va rejoindre ton père. Qu'est-ce que c'était, un accident? Non, on a tiré sur eux. On a tiré sur... Des cambrioleurs dans un magasin. Ta mère est morte, Gretchen. Ton frère Terry a reçu une balle dans la tête et on ne sait même pas si on le sauvera. Et il faudra que tu sois très courageuse. Ton père va avoir besoin de tout le soutien moral que tu pourras lui apporter. Papa? Maman? Mais c'est fini. Tu en es sûr?
Tu en es sûr? Oui, j'en suis sûr. Et il y a peut-être une chance. Si on n'extrait pas la balle, ce gosse est fichu. S'il survit, il mènera une vie de légumes. Il me semblerait nettement plus sage de le laisser mourir. Je ne crois pas qu'il survivra, quoi qu'on fasse. Nous devrions au moins laisser Ross prendre lui-même la décision. Je suis d'accord pour opérer, à condition que vous compreniez bien que c'est pour la famille que je fais ça, pas pour le patient. La question est de savoir si le cerveau n'a pas été si longtemps privé d'oxygène qu'il ne reste plus rien à sauver. Si vous le pensiez, nous ne serions même pas ici à discuter. Disons qu'il a une très mince chance de survivre, mais c'est tout. Inutile d'espérer plus. Et il se peut qu'il ne supporte pas l'opération. Faites ce qui est en votre pouvoir. Opérez. On s'inquiétera du reste plus tard. Je tiens à être présent pendant l'opération. S'il meurt en chirurgie, je veux être avec lui. Moi aussi, j'y serai. Tu es sûr qu'elle est morte? Oui, j'en suis sûr, je l'ai vue. Je veux la voir. Non. Pourquoi? Mais parce qu'elle n'est plus là, ils l'ont emmenée. Jeff! Jeff! Les accès de colère n'ont jamais rien résolu. Maman est morte. Mais ton frère est encore en vie, et c'est pour lui qu'il va falloir qu'on se batte. Ce n'est pas terminé. On sait que la balle a été déviée vers la droite, elle n'a pas pénétré le cerveau. Alors il va s'en sortir? J'en sais rien. Son cerveau a tout de même subi des dommages. Quelques fragments d'os se sont enfoncés dans les centres de vision et de la parole. Mais tant qu'il est en vie, il y a de l'espoir. Vérifiez la cage d'escalier. Toi, dans le couloir. Ted, prends la sortie sud. Joe, le nord. Qu'est-ce qui se passe? Il paraît qu'une radio a annoncé qu'il y avait deux survivants ici. On a peur que les coupables soient assez marteaux pour venir finir le travail. Prévenez-nous quand vous voudrez rentrer chez vous. On vous raccompagnera. Soyez prudent. Chargez le fusil. Ce genre d'horreur ne doit plus jamais se reproduire. T'es au courant pour Colburn? Il a fini par le faire, son ballon solo? Il s'est fait assassiner hier soir. Assassiné? Des malades ont buté tout le monde après le cambriolage d'un magasin. C'était dans la presse de ce matin. Sa mère et lui sont morts à l'hôpital. Docteur Colburn, je... Frank, entre. Assieds-toi. C'est vrai pour... Oui, c'est vrai. Je suis désolé, je l'ai su que tout à l'heure. Est-ce que je peux faire quelque chose? Je crois que tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de prier.
rassure. Sa mère a été tuée, mais Terry a encore une petite chance. Il est en vie? Oui, il est en vie. Mais les journalistes ont dit qu'il était décédé. Ah ouais? Non, sa mère est décédée. Et Terry est dans un état critique, mais s'il passe les 48 heures à venir, les docteurs disent qu'il a une chance. Une chance de survivre. Il a essayé de parler, je crois. C'est moi, je suis là, Terry. On est avec toi. Franck aussi. Terry, c'est Franck. Allez, allons relever les autres. Je croyais qu'il ne me restait plus de larmes. Je veux être là si Terry meurt. Je sais, oui, tout le monde veut être près de lui. C'est ma faute ce qui s'est passé. Quoi? C'est moi qui aurais dû passer là-bas prendre les photos. J'insiste pour qu'il aille à ma place et qu'il passe par ce stupide Max, magasin. Ce n'est pas ta faute. J'aurais dû aller avec maman le chercher. Et j'ai rien fait. J'ai laissé partir toute seule. Max, ce n'est pas ta faute. Ta mère a été tuée et Terry est en mauvaise posture. Il faut garder tes forces pour lui. Je ne veux pas entendre parler de ce que toi ou quiconque auriez dû faire ou dire. Compris? Compris? Oui. Jamison, on est sur la bonne piste. Deux gamins jouaient près des poubelles de la base Air Force et devine ce qu'ils ont trouvé. Les bijoux et les portefeuilles des victimes. Juste derrière le baraquement 328. Envoie-moi une équipe là-bas immédiatement. Je ne veux surtout pas qu'il s'échappe. Et appelle-moi le procureur. Qu'on ait trouvé des indices justement à la base où il vit n'implique pas que ce soit bien ce le même qui... Ce sont les poubelles de son baraquement. Mais ça ne prouve rien du tout. Tu en connais un autre qui soit capable d'un crime comme celui-là? L'année dernière, ce salaud a tué un aviateur d'un coup de baïonnette en plein visage pendant son sommeil. Si j'avais eu assez de preuves cette fois-là, jamais ce drame ne serait arrivé. Mettez-la dans une pile de photos et courez à Saint-Ergrove les montrer aux survivants de ce... Comment il s'appelle? Zener. C'est ça, oui. Allez voir si par hasard il le reconnaît. Et le petit, il l'a vu aussi? Laisse tomber. Si on en croit ses médecins, il est fichu. La police a appréhendé en début de soirée deux suspects en relation avec le massacre de la boutique de la rue Russell. Dale Pierre et William Andrews, tous deux mécaniciens à la base Air Force et tous deux affectés à l'équipe d'entretien des hélicoptères militaires. Une clé a été retrouvée en leur possession qui ouvrait la porte d'un entrepôt de la base où la police a découvert la quasi-totalité du matériel volé dans le magasin ainsi qu'une bouteille d'un déboucheur de canalisation qui aurait été administré aux cinq victimes. Un troisième suspect, un aviateur du nom de Keith Roberts, a été placé en garde à vue. C'est la police civile qui a procédé à l'arrestation sous Papa le contrôle de la police militaire de la base. Je sais ce que vous voulez, et je comprends votre colère. La moitié de la ville n'a qu'une envie, qu'on lui permette de se faufiler dans la cellule et de les lyncher. Non, ce n'est pas ce que je veux. Si je me conduisais comme ça, je ne vaudrais pas mieux qu'eux. Vous ne voulez pas entrer dans la cellule? Non, moi si. Alors que cherchez-vous? Je veux les regarder. Mais pourquoi, nom de Dieu? Je veux les regarder bien dans les yeux et qu'ils comprennent à quoi ils ont réduit ma famille. Ma vie. Et celle de mes quatre enfants. Si c'est si important à vos yeux, un de nos hommes vous conduira en bas. Non, c'est trop bête. Il dit qu'il nous laisse y aller. Non, ce serait complètement idiot. Vous voulez nous donner un coup de main? Si Terry est conscient,
Interrogez-le. J'aimerais bien savoir s'il se souvient de ce qui s'est passé. Zener témoignera, mais Terry était déjà sur les lieux bien avant lui. Ça peut peut-être nous aider. Terry. Je suis là, Terry. Tout près de toi. Salut, Terry. C'est moi, Jeff. Est-ce que tu sais où tu es? Tu te souviens pourquoi tu es là? Voleurs. Ils vous ont fait boire. Ils ont tiré. Ils ont tiré sur qui, Terry? Kurt. Wendy. Ça va aller, Terry. Non, n'essaie pas de parler. Ça suffit pour l'instant. Terry. Docteur! Docteur! Terry! Terry! Excusez-moi. Pendant la guerre, j'ai eu des patients qui souffraient du même genre de coma psychologique. C'est une forme de refus de la réalité. Je ne pense pas que ce soit ce genre de coma. C'est une réaction physique normale, vu les dommages graves subis par son cerveau. Si vous avez raison, il n'y a plus aucun espoir. Mais si vous avez tort, Terry a peut-être une petite chance. Mais combien de temps ça peut durer? C'est très difficile à dire. Je ne suis même pas certain de ma théorie. Mais si je ne me trompe pas, je ne serais pas surpris qu'il se réveille sans le moindre souvenir de ce qui s'est passé ce soir-là, dans ce fameux magasin. Et à mon avis, il serait alors très dangereux que vous le lui rappeliez. En tout cas, pas avant qu'il soit prêt. D'accord, mais comment saurons-nous qu'il est prêt? Vous allez vous en rendre compte en l'observant. Il est possible que Terry hallucine, que sa mémoire revienne par bribes. Mais il va nous poser des questions, il cherchera à savoir ce qu'il en est. Dites-lui qu'il a eu un accident. Et pour sa mère? Et c'est simple, dites-lui qu'elle a été victime du même accident. Mais quoi que vous fassiez, ne lui dites surtout pas qu'elle est morte. S'il était mis face à la vérité avant d'être prêt, il risquerait de tomber dans un coma encore plus profond. Je ne crois pas que Ross ait à s'en faire pour ça. Qu'il le faudra. Le petit est fichu. Oui, ça vaudrait mieux. Je m'inquiète davantage pour ce que Ross aurait sur les bras s'il devait survivre. Je viens de lui parler. Elle est en paix maintenant. Allez la voir. Passez un moment avec elle. Faites-lui vos adieux. Soyez fort. Elle ne veut pas que nous pleurions ou soyons malheureux. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Tout le monde doit mourir. La mort est une chose naturelle. Naturelle. Votre mère ne désire qu'amour et prière. Et non colère ou rancœur. Quoi que tu penses au fond de toi, mets-le de côté. Cette journée est pour elle. Tu vas nous manquer, maman. Au revoir, maman. Au revoir. Au revoir, mon amour.
Il faut que nous soyons forts pour elle. Votre mère croyait en sa famille. Je veux qu'elle soit fière de nous. Irène, je voudrais tant pouvoir effacer ces dernières minutes que nous avons passées ensemble. Je n'avais pas le droit de te parler comme j'ai fait, ni de te faire des reproches. Je t'en prie, pardonne-moi. C'est pour ça que je suis resté. Je veux que mes dernières paroles soient remplies de paix, d'amour. Je vais te faire une promesse. Je dois admettre que je suis loin d'être un père parfait. Je crois que je n'ai jamais passé assez de temps avec les enfants et que tu en avais conscience. Mais je vais tout faire pour réparer mes erreurs. Je vais leur consacrer ma vie, comme tu l'aurais fait à ma place. Et je vais enfin m'occuper de Terry. Voilà ma promesse. Ça ne te fait rien à toi, ce que ces salauds lui ont fait? Toutes les pensées que j'ai vont à ma mère, et non aux assassins. Et tu veux qu'ils sortent libres d'en tuer quelques autres? Non, bien entendu. Je sais seulement que ma colère ne nous la rendra pas, je ne pense pas à ces types. Comment pourrait-on s'empêcher de penser à eux? Ils ont tué maman! Maman n'est plus là. C'est ce qui importe aujourd'hui. C'est tout ce qui importe. Elle ne serait pas morte s'ils ne l'avaient pas tuée, bon sang! Oublie un instant que maman a été la victime d'un meurtre, Jeff! Imagine qu'elle a été tuée dans un accident de voiture, le résultat serait le même! Mais ce n'est pas un accident, c'est un meurtre! Et ces sales types déjeunent tranquillement dans leur jolie petite prison alors que notre mère gît dans sa tombe et que Terry est dans le coma. Mais tout ce que tu dis n'y changera rien plus maintenant! Il est trop tard, tu entends? Trop tard! Ce n'est pas avec tes sermons! D'où viens-tu? J'étais encore au cimetière. J'avais des choses à dire à votre mère. J'ai aussi des choses à vous dire. À vous tous. Alors, asseyons-nous. Je sais que personne ne peut la remplacer. Mais je crois... Enfin, je ne suis pas assez idiot pour croire que je... Nous devons tout faire... Non, je veux dire, moi, je dois tout faire maintenant. Ouais, vous êtes mes enfants. Et... Je veux essayer... Ah. Ce n'est pas la peine de parler, ne t'inquiète pas. Papa. Nous te comprenons. Oh, ne vous en faites pas pour moi. Ça va bien. Comment tu peux dire une chose pareille? Tu viens de perdre la personne avec qui tu as été marié plus de 30 ans. Si jamais on faisait ça, Erika, tu Tu foncerais descendre les assassins, peut-être? Ça ne nous rendra pas maman, ça ne changera ça pas. Ça suffit! Arrêtez donc de vous disputer, on a assez de chagrin sans ça. Ça ne sert à rien de parler de cette façon. Gretchen a raison. Ce qui s'est passé nous aura marqués. Rien ne nous rendra notre vie d'avant. Nous sommes blessés, c'est sûr, mais nous restons une famille. Alors? Inutile de nous lamenter sur notre sort. C'est fini. Nous devrons nous passer de votre mère. Elle est morte. Nous allons nous adapter à cette nouvelle situation. Et chacun reprendra le cours de sa vie du mieux qu'il pourra. Crois-tu qu'on peut s'empêcher de penser à maman? Il va falloir concentrer toute notre attention sur Terry. Et mettre nos forces en commun dans un seul but, l'aider à s'en sortir. D'accord? Tu ne penses pas qu'on pourrait établir un plan horaire pour les visites?
J'irai le voir tous les matins. Mais tu es à l'université. Je ne pensais pas y retourner. Que veux-tu dire, Gretchen? Je reste ici. Pourquoi? Parce que... Je suis pas prête à y retourner, j'arrive même pas à réfléchir. Mais tu essaieras de te forcer. Gretchen, je veux que tu retournes à l'université, que tu retrouves tes amis, Luc, et que tu reprennes une vie normale. Alors c'est tout. Un bel enterrement bien réglé, et ça y est, tout est oublié. Il ne servirait à rien de se désespérer, de se lamenter. Ce n'est pas comme ça qu'on arrangera les choses, Jeff. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Dès demain matin, je reprends le travail. Tu seras tout seul ici. Oh, je vais bien. Le problème, c'est Terry. On ne sait pas combien de temps son état comateux durera, ni ce qui se passera le jour où il reprendra conscience. Mais il y a une chose dont je suis sûr, les enfants. Terry se remettra. S'aggrave et le personnel des soins intensifs n'y arrive plus. Ça fait 10 jours qu'il a ce comportement violent. Il faudrait tout de même songer à lui mettre des sangles, il va se tuer. Si la seule pensée de ce qui s'est passé dans le magasin l'a plongé dans le coma... Ce qui n'est qu'une théorie. Non, vous imaginez ce qui se passera s'il se réveille et se retrouve attaché à son lit. Rendez-vous compte, il arrache ses sondes, il se débat, il grogne, il frappe toutes les infirmières. Il nous est impossible de rester à son chevet 24 heures sur 24. Et si quelqu'un pouvait le garder? Mais qui? Oui, je reçois des lettres de sympathie d'un tas de gens qui proposent de donner de leur temps. Non, nous ne pouvons pas permettre à des personnes non qualifiées de traîner chez nous. Et pourquoi pas? Parce que notre règlement est très strict en dehors des heures de visite. Le règlement? On parle de la vie de mon fils et je devrais respecter vos règles, idiotes! Nous avons déjà enfreint des règles, n'est-ce pas? Après tout, une de plus ou de moins. Chaque fois que tu y vas, c'est la même chose. Tu rentres aussi déprimé que tu ne peux même pas manger. Les docteurs pensent qu'il ne s'en sortira pas, tu sais. Mais ton père croit que si. Ça fait déjà plus d'un mois qu'il est comme ça et rien ne change. Mais ton père dit toujours... Je sais très bien ce qu'il a dit, mais j'ai du mal à le croire. Je ne suis pas comme lui, Erika. Je n'arrive pas à aller de l'avant en faisant comme si tout allait bien. Je pense sans arrêt à ce qui est arrivé à maman. Je me réveille au milieu de la nuit et je crois la voir. Je la vois revivre sa dernière heure là-bas au magasin. Pourtant, je ferai n'importe quoi pour que ces horreurs sortent pour toujours de ma tête. C'est atroce. Ça me rend dingue. Chaque fois que je prends le journal ou bien que j'allume la télévision ou même que je croise quelqu'un que ma mère a... Le procès des assassins durera sans doute des mois et des mois. Quant à Terry, son coma peut durer des années. Il ne s'en sortira peut-être jamais. Je t'en prie, calme-toi. Si tu ne retrouves pas un peu de paix, je vais devenir cinglée aussi. Ah, ce n'est rien, ma chérie. Calme-toi, là. Chut. Les Kirchmer sont passés te voir hier, paraît-il. Oh, est-ce que je t'ai dit que Skip viendrait aussi? Il faudrait que tu reviennes voler avec lui cette année. Je crois qu'il sait que je lui parle. Difficile à dire. Ouais. Quand j'aidais à mettre au monde des gosses handicapés, ou
gravement malade et que leur mère me prenait à témoin de la terrible cruauté d'un dieu capable de créer un être condamné à souffrir tout au long de sa misérable vie. J'avais la réponse toute prête. Dieu a ses raisons. Que nous ignorons. J'essaie d'y croire, évidemment. Mais si tout ça n'était qu'un affreux gâchis, où trouver la force et le courage de l'affronter? J'abandonne. J'ai de la peine pour lui, mais j'ai bien envie de le gifler aussi ce sale gosse. Cléo est bouché. Non, regarde. Oh, flûte. Je vais voir si j'y arrive. Bon courage. Tu peux rentrer chez toi, je m'occupe de lui jusqu'à ce que son père revienne. D'accord. Terry, je dois absolument te débrancher ça. Il faut respirer par la bouche. Terry. 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 Terry! J'en ai pour une minute. Terry n'aime pas que je bouche l'ouverture. Allons, tu n'as rien, ça va aller, Terry. Tu respires aussi bien que nous. Je n'enlèverai pas le bouchon, Terry. Fais ce que tu veux, je n'enlèverai pas ce satané bouchon. Vas-y, crie, hurle si tu en as envie. Si tu parlais, Terry, plus rien ne t'empêche de parler, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Terry? Tu veux que je m'en aille? Oui ou non, parle! Oui. Terry? Oh, Terry, tu vas mieux, beaucoup mieux. Dam 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 dam. Terry. Dam 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 dam. Y a quelqu'un? Dans la cuisine. Eh oui, c'est bien toi. Quand es-tu arrivé? Vendredi. Et ces examens, ça a marché? Je te dirai ça quand mes notes arriveront. J'ai pas été très brillante. Salut, Jeff. Encore un paquet de lettres pour Dame Dame. J'envoie les cartes de remerciement. Vous vous rappelez qui a apporté le panier de fruits confits après l'enterrement? L'oncle Farley? Non, il a apporté le pâté. Matt confond les deux. Ah ouais. Où est papa? Il accouche des jeunes mamans 7 jours par semaine. Et s'il lui reste une minute de libre, il la passe avec Dame Dame. Ça fait 2 mois et il s'est pas encore accordé de répit. Oui, il a toujours bien aimé être sous pression. Moi, c'est le contraire. Et la première chose qu'il m'a demandé, c'est si j'avais enfin fixé une date pour le mariage. C'est bien normal, non? Je n'ai pas trop envie d'y penser, tu sais. Dès que j'essaye de m'imaginer un mariage comme je l'aimerais, je pense à maman. Et puis quelqu'un doit s'occuper de lui. Et il s'épuise complètement à soigner les autres. Il se soigne lui-même. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il a peur de ralentir. S'il prend un peu de répit, il faudra qu'il pense à maman, à la vie qu'il a devant lui, à ce qu'il deviendra sans elle. Il faudra qu'il se rende compte que quoi qu'il fasse pour Terry... Si papa croyait que son fils était en train de mourir, il le supporterait mieux que nous tous. Je ne pense pas, Matt. Même papa a ses limites, comme les autres.
On peut faire une promenade en montagne comme l'autre jour, ou bien on peut aller au bord du lac. Hein? Qu'est-ce que tu en dis? Je t'ai enregistré quelques cassettes. Le dernier disque du groupe Eagles. Tu veux l'écouter? J'ai mal partout. Arrête, j'ai encore mal. Terry, tu as eu une piqûre analgésique il y a un quart d'heure. Très bien, on va rentrer puisque tu insistes. J'ai mal au bras. Allez, encore un petit effet. J'ai mal dans le dos. C'est bon, c'est fini, Terry. J'ai mal dans tout le corps. Écoute une seconde, Terry, ça ne sert à rien de se lamenter sur son sort. N'oublie pas qu'il y a toujours plus mal loti que... Bravo. Allez, conne, vas-y. Je reviendrai demain, et le jour suivant, et le jour d'après encore. Dame. Faut que je retourne à l'hôpital. On m'annonce des jumeaux. Je t'ai préparé un petit encas au réfrigérateur. Tu as porté mes chemises à la blanchisserie? Elles seront prêtes jeudi. Et tu as même monté les nouveaux rideaux? As-tu parlé à Luc? Il faudrait que vous choisissiez une date. Je vais le faire. Si tu lui passais un coup de fil ce matin? Non, il est très occupé. Il n'est jamais trop occupé pour toi. C'est peut-être toi qui es trop occupé pour lui. Tu t'occupes trop de moi. Je devrais peut-être décider d'une date moi-même. Je te mettrai devant le fait accompli. Si ta mère était encore là, ça fait longtemps qu'elle aurait tout organisé jusqu'au dernier bouquet de fleurs. Oui, si elle était là. Elle n'a même pas su qu'on avait décidé de se marier. Oh, si, elle l'a su. Je t'assure. Elle l'a su le jour où nous sommes arrivés de Hong Kong. Elle avait fait jurer à Jeff de lui dire quand Luc viendrait le voir pour t'acheter un diamant. Elle savait qu'il faisait des économies, mais que ce serait dur. Et comme elle avait envie que tu aies une belle bague, elle voulait en payer une partie. Je ne l'ai appris que bien plus tard, après son enterrement. C'est Jeff qui me l'a dit. Je lui ai donné l'argent, mais de la part de ta mère. C'était une idée à elle. Je n'ai pas son talent pour les réceptions, bien sûr, mais tout de même. Je parie qu'en s'y mettant à deux, nous pourrions combiner un mariage dont elle aurait été fière. Tu vas rester tout seul ici. Oh, t'inquiète pas pour moi. Je suis un grand garçon maintenant. Mon seul problème, c'est Terry. Et son état s'améliore de jour en jour. L'acide caustique qu'il a absorbé a fait plus de dégâts qu'on ne pensait. Son œsophage est tellement inflammé qu'il n'arrive plus à avaler. Nous avons dû risquer d'y passer une sonde avant qu'il ne s'obstrue. Mais enfin, que s'est-il passé? Les parois sont si ténues qu'on a perforé le tissu et que les poumons ont été touchés. À présent, ils se remplissent de liquide infectieux et il n'a pas assez de réserve pour se défendre. Mais ça finira par se reboucher, n'est-ce pas? Je ne sais pas, son système immunitaire s'étiole. Ses globules blancs ont été trop sollicités. Depuis le drame, le taux de sucre est trop élevé. Toby? Si la température continue à monter, on est à 40. Il va falloir vider ses poumons. Emmenez-le en chirurgie. D'accord. Il n'y a pas de solution pour boucher le trou. On ne peut que pomper le liquide infectieux. Accroche-toi, Terry. Accroche-toi. On a encore des tas de choses à faire, toi et moi. Des tas de choses à se dire. Il faut que tu vives, Terry. Est-ce que tu m'entends? On te tirera d'affaire. Tout ce que je sais, c'est que je veux les plus belles fleurs. Ce qu'on vous demande d'habitude pour un mariage. J'en veux des tas. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Je distingue même pas un lys d'un crocus. Excusez-moi, docteur Colburn. Ouais. C'est votre service. Attendez une seconde, merci. Colburn, je suis venu voir Terry. Au revoir. D'accord, passez-la moi. Il me faut des bouquets. Allô? Ah, que passe. Désolé. Qu'est-ce que vous disiez? Et vous avez des contractions? C'est d'accord, venez à l'hôpital. J'y serai, bien sûr. Comme d'habitude. Ouais.
Finan Hadis. Finan Hadis. Mais de quoi est-ce qu'il parle? Je ne sais pas du tout. Les voilà. Les voilà. Je suis là, Terry. Je suis près de toi. J'ai pris des petites choses dans sa chambre. Je pourrais lui apporter son fameux laser. Il le terminera à l'hôpital quand il ira mieux. Je vais faire un tour. Je crois qu'il a renoncé. Il a eu un collapsus. Il est en détresse respiratoire. C'est papa qui a renoncé. N'arrête pas de saigner. Je suppose que n'importe qui laisserait un peu de sa santé. La mort d'Irène, dans ces circonstances. Ce qui arrive à Terry. Oh, ça ne sert à rien de se répandre en lamentation. Ça ne changera pas la situation. C'est mieux que de feindre, non? C'est mieux que quoi, dis-tu? Tu fais toujours comme si rien ne te touchait. Tu agis comme si tu n'avais jamais de chagrin. Je crois que mes sentiments sont assez évidents. Oui, ils le sont. Je n'ai jamais su si la mort de maman t'avait affecté. Comment ça, tu ne l'as jamais su? Ça va, voyons. J'ai dit ça. Ça va! Jamais parlé. Tu nous as juste dit de nous asseoir, que tout était terminé, qu'il n'y avait plus rien à faire. Ce n'était pas terminé pour moi. Ça ne le sera jamais. Tu veux savoir ce que j'ai ressenti après la mort de ta mère? Je suis désolé, je suis incapable de l'expliquer. Parce qu'il n'existe aucun mot pour le dire. On l'a torturée, puis assassinée. Tu crois qu'on peut en parler? On lui a fait boire de l'acide, tu te rends compte? Et Dieu sait si j'aimais Irène. Dieu sait si je l'aimais. Savoir ce que j'ai au fond du cœur en ce moment même. Je crois que Terry va mourir. Je me sens découragé, vidé, inutile. Je ressens une sorte de nausée. Tellement injuste. Après tout ce qu'il a enduré, c'est tellement injuste. La seule chose qui me console, c'est que Terry n'apprendra jamais que sa mère est morte. C'est au moins un chagrin qui lui sera épargné à lui. J'aurais eu tant de mal à le lui dire en face. Au secours, j'ai mal. Faites-moi des piqûres, je veux dormir. Son pouls est passé à 175. Et il a presque 42 de fièvre. Je note. J'ai encore mal.
Il fait si froid. J'ai froid. Non, je ne sais pas m'emmener. Ah non. Ils arrivent par l'escalier. Ils sont là, je les vois. Oh, pas ça. Oh non, 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 maman, par terre. Maman, non. Faites pas ça. Oh non. Allons, Terry, c'est fini. N'aie pas peur, c'est fini. Tu es en sécurité ici, allons, c'est fini. Non. Allô? Docteur Colburn, la fièvre est tombée. Il est à moins de 39. Je crois qu'il est sauvé, docteur. Oh, merci, Claire. Merci. J'arrive tout de suite. Il va venir. Maman? Où je suis? Tu es à l'hôpital. Pourquoi? Tu as eu un accident. Est-ce que l'avion est tombé? Quel avion? Celui d'hier. J'ai volé tout seul hier. Non, tu étais avec nous hier, Terry. Tu es là déjà depuis 4 mois. Nous sommes le 16 août. Le 16. Le 16. Ouais. Ils viennent te voir tous les jours. Tu as une famille qui tient beaucoup à toi. Non, 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 reste dans ton lit. Je voudrais appeler ma mère. Il y a un téléphone. Ton père sera là d'une minute à l'autre. Il faut que j'appelle maman. Ton père va venir. Quand est-ce qu'elle pourra venir me voir? Je voudrais bien qu'elle soit ici aujourd'hui, mais je te l'ai dit, elle ne s'est pas sortie de l'accident aussi bien que toi, Terry. Et c'est pour ça qu'il faut que je prépare le mariage tout seul. Quel mariage? Celui de Gretchen. Oh, la réception aura lieu à la maison. J'ai posté des tas d'invitations, j'ai choisi un traiteur. Mais où vas-tu, viens? Ça va l'encourager à se remettre. Gretchen, oui, elle ne tient plus en place. Je veux dire maman. Ah, maman. Certainement. Oui, elle est ravie. Mais tiens-toi comme il faut. Mes jambes me font mal. Fais voir ça. Oh, mais arrête. Tu t'en remettras, Terry. J'arrive même pas à bouger mes doigts. Mais regarde. Si, il bouge un peu, c'est encourageant. Ma gorge aussi est douloureuse. Essaie de moins parler. Je serai comme ça combien de temps? Personne n'en sait rien. Mais une chose est sûre, ton état s'améliore de jour en jour. Tu crois qu'il faudra longtemps avant que j'aille au lycée? Avant que je recommence à marcher? Terry, pour l'instant, il faut déjà nous réjouir que tu sois en vie. Le reste prendra sans doute du temps, mais je ne peux pas te dire combien. Mais tu y arriveras. Maman aussi. Maman aussi. C'est toi qui dois t'occuper du 22? Oui, oui, c'est moi. Tu remplaces Julie comme prévu? Oui. Tu crois qu'il a vraiment tout oublié? Hein? Très bien, j'y vais. N'oublie pas de passer le voir le 22. On va prendre un café? Bonne idée, ça me fera du bien. Je ne t'ai jamais demandé ce qui aurait pu se passer si toi ou moi
avions accompagné ta mère ce soir-là? Oui, très souvent. Bonsoir, comment allez-vous? Bien sûr, on ne peut pas savoir si nous aurions pu lui éviter ça, mais j'y pense parfois. C'est normal. Et vous allez mieux? J'y pense, moi aussi. Je t'en ai parlé un jour, d'ailleurs. Tu crois? Tu ne te souviens pas? Non. Bon. Il est temps de rentrer. C'est ce qu'il y a de plus dur, rentrer à la maison. C'était mon heure favorite avant. Maintenant, j'arrive. Et tout est si triste, si vide. Si j'ai faim, il faut que je prenne mon dîner seul. Si je veux sortir, je sors seul. Faut avouer qu'à la longue, on se sent... très seul. Très seul. Bon. Tu ne veux pas dîner avec moi ce soir par hasard? C'est toi qui cuisines? On va au resto. Je sens que je meurs de faim. Et il a choisi lui-même les desserts. Je crois qu'il s'est laissé un petit peu emporter. Si tu voyais ce menu. Et il y aura tellement de fleurs qu'elles ne tiendront pas toutes dans la maison. Je peux te poser une question? Vas-y. T'as jamais eu l'impression que quelqu'un était à tes trousses? Que quelqu'un voulait te tuer? Non. Ça ne t'arrive pas d'y penser? Non, il n'y a aucune raison. Il n'y a personne à tes trousses, Terry. Tout va très bien. Gretchen, je viens de me souvenir. J'aurais rien de correct à me mettre à la réception. Regardez! J'en ai un! Mais oui! Allez! Vas-y doucement! Viens par là! Vas-y doucement! Laisse-le remonter lui-même. T'arrêtes pas, tourne. Dépêche-toi. T'arrêtes pas. Bien joué. Encore. Vas-y, oui, vas-y. Doucement. Garde-lui la tête hors de l'eau. La tête hors de l'eau. Bravo. Prépare l'épuisette, papa. Ah, bien joué, Terry. Fais voir. Félicitations. Joli travail. Tiens, voilà. Regarde. Il est beau, hein. Oh, oui. Ouais, tu as vu ça, c'est une Terry. Belle prise. Voilà notre dîner. Bien joué, Terry. Bravo. Dites donc, mais c'est le seul de la matinée, les enfants. Vous n'allez pas vous arrêter là. Il y a à peine 2 ans, il suffisait de plonger l'hameçon dans l'eau et ça mordait. On s'en donnait à cœur joie. Maman nous les faisait mettre tous à l'eau, je me rappelle. Regardez, il y a un arc-en-ciel là-bas. Où elle est, maman? Je te l'ai dit, elle a eu un accident. Je sais, mais où est-ce qu'elle est? Je te l'ai dit, ta mère a été conduite à l'hôpital, comme toi d'ailleurs. Regardez, un aigle. Tu crois que c'est un aigle? Le même hôpital que moi? Oui. Alors pourquoi je la vois jamais? Je t'ai déjà expliqué, Terry. Et pourquoi je peux pas l'appeler? Mais parce que c'est comme ça, c'est tout. Parlons d'autre chose. Et il y a une solution. Puisqu'elle ne peut pas bouger, je n'ai qu'à aller la voir. J'ai dit une bêtise? Tu ne te souviens vraiment de rien? À propos de quoi? Ta mère est morte, Terry. Il y a déjà longtemps. Ça s'est passé dans le magasin de Derek. Des voleurs sont arrivés pendant que tu étais là-bas. Elle est allée te chercher. Ils ont tiré sur vous deux. Non, c'est ridicule!
C'est pour ça qu'elle ne vient pas te voir. Je sais que c'est faux! Qu'est-ce qui te prend? Mais qu'est-ce qui te prend de me raconter des choses pareilles? Voilà toute l'histoire, Terry. C'est pour ça que tu es si malade. Que tu te sens si mal au fond de toi. C'est pour ça que ta mère... Ce qui compte pour nous, maintenant, c'est de rester unis. De se souvenir, de s'aimer. C'est à ça que servent les familles. Il n'y a plus de famille. Maman n'est plus là. Elle fait toujours partie de nous, Terry. Elle est toujours avec nous, même si... Il n'y a plus de famille. Il ne pourra jamais plus y avoir de famille sans maman. Oui, tu as raison. Notre famille n'est plus ce qu'elle était. Rien ne sera plus comme avant. On nous a pris notre cœur. Ta mère était tout pour nous. C'était elle, notre famille. Ce ne sera plus jamais pareil sans elle. Mais nous sommes toujours là. Nous sommes là les uns pour les autres. Comment ont-ils osé lui faire ça? Ma maman! Ils ont osé tirer sur elle! Non! Non! Oh, papa! Oh, Terry! Je suis là. Je serai toujours là. Tu verras, Terry. Je vais t'aider. Et on va s'en sortir. Ensemble. Salut Franck. Merci. Oui, merci. Ah, c'est gentil d'être venu. Merci. 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 Mais où est donc passé la mariée? Allez, on va faire une photo toute la famille. Erika, venez tous par ici. Aucun médecin ne croyait réellement à sa guérison. Et regardez-le. Gretchen, Luc, au milieu. Allons-y, souriez, et regardez-moi bien en face. Voilà, Terry Colburn retourna au lycée l'année suivante et suivit des cours supplémentaires le soir afin d'obtenir son diplôme. Celui-ci lui fut remis sous les applaudissements le 27 mai 1976. Il est aujourd'hui marié et vit à Seattle. Pierre fut exécuté d'une injection mortelle le 27 août 1987. Andrews, également condamné à mort, attend en ce moment la décision concernant son dernier appel. Roberts, condamné à 20 ans de prison pour vol à main armée, fut mis en liberté conditionnelle en 1987. Celle-ci ayant expiré, il est désormais libre.
France 2.